un voyage en Macronie. J'ai fait comme un bond dans le temps et imaginé un instant tout ce qui va venir après. Une fois qu'on sera déconfiné, force des années 2020, le nouveau monde arrive enfin. Ça fait bien 3 ans qu'on l'attend, depuis que Manu est président. Il aura fallu une pandémie pour qu'arrive ce qui était promis. Comme quoi, pour faire quelques efforts, rien ne vaut le spectre de la mort. Bienvenue dans le monde de demain. On a recruté plein de médecins, des fonctionnaires, des infirmières. Et on sait même plus quoi en faire. Pour tout ça, on a emprunté, bien sûr, au marché financier. Et maintenant, pour régler la dette, vous connaissez déjà la recette. Le président a annoncé dans ses allocutions télé qu'il a trouvé un bug dans le système et qu'il rebooterait le théorème. Mais la vérité, si je mens, c'est la tâche de ce gouvernement. Qu'importe si tu te contredis, tant t'es le premier qui le dit. Alors le voilà ton avenir meilleur, où la nature a repris ses droits. Et pour tous nos amis chômeurs, c'est la loi de la jungle de l'emploi. Pendant que se balade dans les rues, tous les vautours, toutes les sangsues. Ah non, je parle pas d'écologie, on est 60 millions d'ennemis. Welcome in the nouveau monde où passe toujours sur les ondes les mêmes discours ampoulés, des éditos déconnectés. Barbier, Pascal, Pro et Cohen trustent toujours autant l'antenne. Si t'en peux plus, mon seul conseil, c'est de mettre les doigts dans tes oreilles. Non, pas moyen d'y échapper. Tes collègues, ta famille gay vont sûrement reprendre leur train-train et leurs commentaires quotidiens. Revla la machine. Les gens qui veulent discutailler, essayant de trouver mordicus, du consensus dans le dissensus. France, France Motus, police partout dans l'Hexagone, il faut bien protéger le trône. Des patrouilles dans la France entière qui chargent au premier pet de travers. Dans les manifs, dans les quartiers, a précisé monsieur le préfet. Pour sauver l'ordre républicain, je suis prêt à me salir les mains. Oh France, tu m'as abandonné. Chanteront les cochistes assistés pendant que s'allonge la queue du McDo. Plus personne peut payer le resto. Oui, même l'auteur de cette goguette qui se compromet fait les courbettes dans les territoires inconnus où Sardou est porté aux nues. At least.